devenu un sérieux Seigneur pour apprendre de toi. Nous voici dans ton atelier, ô maître potier. Rends-nous notre vie comme la part dans nos délires. Pétris-nous, Seigneur. Et donne-nous la forme. Qu'il en soit. Si en nous quelque chose qui t'a déplu, viens donner nous pardon. Et nous regardons au travers du sang de Jésus-Christ. Afin que le Seigneur nous soit plus grand que nous. Vous êtes dans la belle catine.
plus juste ou le plus mauvais d'entre nous. Et puis aussi longtemps qu'il est dans la chair, il doit traverser ses 16 ans. Alors il doit traverser la nuit. Il doit traverser les temps froids. Il doit traverser les autres ombres. Il doit traverser toutes ces choses-là. Amen. Amen. Ma question sera ce soir. Mais si c'est pourquoi Dieu veut que nous t'aperçoivons la vie. Pourquoi il veut que nous t'aperçoivons l'hiver alors que l'hiver c'est la mort? Pourquoi il veut que nous t'aperçoivons la guerre? Pourquoi il veut que nous t'aperçoivons les temps troubles? Pourquoi il veut que nous passions par la douleur alors qu'il y a la joie? Pourquoi il veut que nous passions par la pour notre bien. Parce qu'il dit qu'il a fait toute chose. Toute chose a été faite par lui. Et pour lui. Et pour notre bien. Il dit tout concourt pour notre bien. Vous allez me dire, pasteur, lisse. Vous allez dire que les événements que je passe là, où je vois, il n'y a pas de dessus. Alors, l'élément central était l'opposé des tombes.
katikati. Celui qui active le centre et le centrifuge. Et le mot central autour de la quête, ce qu'on appelle le noyau. Lequel les autres tournent autour de son orbite. Et cette et dans cet centre de gravitation, c'est que selon la force gravitationnelle, il est spéculé que le plus petit élément gravitera autour d'être. Et ça dépend qui est plus grand que vous. Celui qui est, si moi je suis un centre de rassemblement, je ne pourrais pas forcer que les gens soient autour de moi. Parce que je serai le tabernacle de rassemblement. Vous verrez petit à petit des électrons viendront tourner autour. Pour devenir un grand molécule. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors suivez maintenant l'application spirituelle. Alors, en dehors de ce que tout est en cycle, mais d'autres éléments sont aussi en cycle en intersection avec d'autres cycles. Ces éléments, il y a tous ces éléments. Et des éléments aussi. Qui sont aussi en cycle. Oui, ça peut être un peu de la. Et qui sont en intercession avec d'autres cercles. Oui, il y a un peu beaucoup de temps dans le monde. Alors, nous devons faire très attention. Et tout ça, la vie. Prenons le premier cercle de 16 ans. Donc, on a dit, tout le monde, il bosse, les amis, il est où. Il dit aussi longtemps que la terre se risquera, il y aura du verre. Et que vous avez dit, vous allez vous en attendre à la ligne de casse. Et il y aura du verre. Et vous en attendez à vos cancailles là. Et le verre est du verre. Et que vous cancailles là, vous attendez à la ligne de casse. Voyez-vous, sans en opposer. Et ça peut être la banninga. Donc l'été dure 3 mois. Et le temps que vous avez trouvé la salle de mise à tout. Après, c'est l'automne. Ben la semaine dernière, il y a un temps que vous avez trouvé. Il dure aussi 3 mois. Et l'hiver aussi 3 mois. Et le printemps 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 aussi 3 mois. Donc entre le début de l'été, 4 printemps, jusqu'à la fin de l'hiver, alors, nous avons le temps de l'enseignement. Qui est le temps? Et nous? Et nous avons aussi le temps de la moisson. Qui est l'été? Et presque une année. Et ça, nous avons beaucoup de temps. Alors, vous pouvez m'intéresser que pendant le temps, c'est le temps des choses. Il faut maintenant me dire la nature pleure. Et donc maintenant, le temps de me dire que la Bible dit que celui qui ensemence avec l'âme récolte avec l'histoire. Et c'est de cette période-là, c'est la période de l'ensemencement. Et tout est un fruit mûr tombé pour l'histoire. Les animaux qui mangent les fruits ici très mûrs, ça lui donne plus de la graisse. Et cette graisse nous prépare pendant l'hibernation ou pendant la période de l'hiver. Donc cela est nécessaire pour le préparer à passer l'hiver. Mais si cet animal ne saisissait pas l'opportunité qui lui est donnée ici, pendant ce temps de pluie, ceux qui demandent à 5 maillets, ils vont dire que ça vient ailleurs.
Et pas ça de devoir que toi tu voulais ça qu'on a. Alors lui dit fait froid, il va aller cacher dans les grottes. J'avais dit voulais qu'on a quand on a mal la tête comme la cata ma bande. Au lieu de manger, décider de aller alors que c'est le dernier repas qui est la nature lui donne. Et des amis à sous quoi il est dit que là moi que ça y est. Alors en passant le verre il sera par la tête. Et de l'attendre à la ligne, ma casse, le corps à ma foute à l'aime, à vos hommes, encore pas. Et ne pourra pas traverser l'hiver, parce que le froid est tué là. Et ta cosanté, ma coquette, à 400 ans, ma ligne, ma casse, ma ligne, ma boumaye. Pourquoi? Parce qu'elle a raté de saisir l'opportunité qui se trouve dans la saison. Bon, la mine, ça, c'est que vous en télé, pour moi, ma casse, oui, la boue, la gêne, et que donne la première saison, vous donne les éléments pour supporter la saison. Et que, il ne peut pas y avoir, personne n'a pas qui m'a mis, on ne peut pas te la mettre. Et la seconde saison te permet d'enfanter la saison suivante. Et toi, il y a une belle idée, pourquoi ça m'a coqué ton pote à l'OMS? Et ainsi de suite. Mais comment on a commencé? La nuit te prépare à apprécier les jours. Et pourquoi ça m'a coqué ton pote à l'OMS? Et est-ce que vous êtes avec moi? Ouais. Ce qui fait que c'est nous qui ne comprenons pas le langage de Dieu. Et les années de Dieu sont dans tous les ans sur les lumières à Dieu. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Et que tous les qui voyaient partir ne vont pas me quitter ni le millionnier. Nous avons vu que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Maintenant qu'il voyait des hommes dans la camionnette, nous retournons dans le même souci. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à décoder le langage du silence de Dieu. Et que tous les qui voyaient partir ne vont pas me quitter ni le millionnier. Et comme nous n'arrivons pas à décoder cela, et nous voyons tous les quand on donne le millionnier, sans discernement, nous rentrons dans un danger sans être préparé. Et maintenant, le corps tous les sont sur ton compte à quitter. Parce qu'un homme né de nouveau est associé au monde spirituel. Et de il est associé à un monde mystique. Et d'assagana mokilo est dans la grande société. Les fleurs peuvent le parler. Et voilà le la nature peut le parler. Mais quel est le monde de Dieu? Tout est l'expression de Dieu. Non, ce n'est pas un homme pour le bâtir. C'est un langage codé. Non, ce n'est pas un homme pour le bâtir. Il est lui qui va le moyen de décoder. Et de motuda, ça va coquer ta kundola. Pour maîtriser le code secret. Tu as été la code de ma bombe, c'est ça. Et ce n'est pas un homme. Il y a la clé recette pour lire et comprendre. Pour essayer de décoder ces sagesses transmises une fois pour toutes. Alors écoutez ceci. Et c'est ce qui se passe avec nous. Nous avons pris par exemple lorsque les gens se marient. Et comme on a dit, cette temps va donner la balle ici. Et ils se dépassent un été. Et tu vas savoir que cette temps maintenant il y a un millénium. Et des millénium. Ils sont plus jeunes. Et tu vas créer mon même argent. Ça les cinq ans. Ça va se faire. Ça c'est la saison. Pendant des mois. Et tu vas beaucoup en couple. Et des années comme ça. Et tu vas récréer tout mon camarade. Ça les cinq ans. Mais après c'est un moment soudain. Et tes mamans, pour qu'à moi, ça vient maintenant être comme des pleurs. Dès qu'on est comme un volé là, vous voyez que votre chère épouse, moi, des problèmes, il va pleurer. Et moi, c'est normal, il commence à manquer mon état comme volé là. Vous comprenez que c'est maintenant la saison de la pluie. Et tu veux que l'on ait comme c'est la nature, c'est Dieu qui est en train de t'indiquer que c'est le moment dans ce monstre et ta et tu vois, quand on ne pas faire ce que l'on ait comme et comme les gens n'ont pas la révélation, et que le corps va tomber dans cette même salle. Discernement. Dieu a été de dire ta femme est prête. Et c'est maintenant la saison pour toi d'ensemencer tout ce que tu veux comme mentalité. Et de c'est le temps pour toi d'ensemencer de mentalité. Et ta femme est en train de pleurer. Alors que vous venez de vous marier, elle ne fait que pleurer. Moi, le problème, elle ne fait que pleurer. C'est Dieu qui est en train de démontrer à travers de sa vie que vous rentrez dans un cycle dans lequel c'est le temps de l'enseignement. Et que vous avez un temps de toi, tu ne veux pas voir ça. Alors qu'est-ce qui va arriver? Non, ce sera si simple. Alors, vous passerez cette saison. Comme tu as raté dans ces mots avec l'âme,
pour récolter avec joie. Et quand tu as raté, alors qu'est-ce qui arrivera? Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez rentrer dans votre hiver. Là où vos relations sont devenues soit contraires à lorsque vous étiez, vous vous êtes aimé. Et vous rentrez maintenant dans la salle des critiques. Et à ce moment-là, vous commencez à voir quel mal. Et ça devient dur. C'est à ce moment-là que beaucoup de foyers se brisent. C'est à ce moment-là qu'ils prennent leur départ. Si une femme ne parlait pas, elle deviendra beaucoup. Elle va beaucoup parler. Si le monsieur était gentil, à partir de là, ça donnerait un autre homme. Si la dame n'était pas plaintive, quelque chose va rentrer. Mais comme vous ne savez pas, vous allez trimballer ça toute la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes, parce que vous ne saisissez pas l'opportunité. Vous ne saisissez pas l'opportunité qui se trouve dans la saison. Et lorsque vous passerez le printemps arrivera. Alors c'est comme si ce vent-là est passé. Les choses commencent à redevenir un peu à la normale. Vous commencez à vous supporter. Bon, chacun commence à dire, bon, on laisse tomber. On a déjà les enfants. L'espoir commence à revenir. Peut-être que ça va aller. Et après, vous se passez à un été, vous aurez un peu de joie, mais vous ne retrouvez plus la saison du début. C'est que vous n'avez rien à récolter pendant votre été. Parce que vous n'avez pas pu en s'émancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, lorsque vous passerez cet été, alors vous arriverez encore à l'automne. Et lorsque vous passerez l'automne, vous arriverez encore à l'hiver. Si vous ne faites pas attention, vous êtes dans l'œil du cyclone. Vous n'allez plus s'en sortir. Vous passerez comme cela. Jusqu'à ce que ça devienne formel. Une formalité. Vous vous êtes habitué à des temps de crise. Vous êtes habitué au moment où le monsieur va aller chercher d'autres femmes. Et après, il se calme. Au moment où vous avez des bagarres, ça se calme. Vous êtes habitué. Au moment où vous avez des injures, après ça rentre à la normale. Vous êtes habitué. Au moment où la sœur ferme ses bagarres, le malaise est terminé. Ensuite, ça arrive encore. Vous êtes habitué. Et vous ne retrouvez plus la saison. Alors, à ce moment-là, lorsque ça se répète, alors cela veut dire que ça formait un certain couple. C'est fini pour vous. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne vous donne pas la saison de s'échapper. Mais c'est vous qui ne saisissez pas l'opportunité. Là-bas, parce que là-bas je connais les gens, dès que ça passe une journée, deux jours,
ne sera plus toi. Et vous avez au moment où tu veux sortir, là c'est maintenant. Voilà. Là c'est qui te contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de gens. Juste au moment où sa vie va basculer au meilleur. Tu vas te faire toujours quelque chose qui te traîne quelque part. Mais nous avons le remède. Il y a le bon mental. Et tu es sur le côté de la zone de la caméra. Et tu es amené quelque part. Oui, comme tu veux faire mon corps. Et comme Dieu nous donne la saison. De quoi la zone a fait tout seul. Et que nous avons l'opportunité. Et tu es sûrement de la zone de changer dans l'onction supérieure. Et tu es comme la carte de mon université de Calvary. Que cette fois-ci ne rate pas. Et la première malheur de la zone. C'est que nous sommes dans la saison, c'est que tu prononces va arriver. Qui va t'attraper dans les intercessions là, c'est le temps le plus rapide. Et un autre plus rapide va te réaccueillir. Si par exemple, tu prends la décision, et à partir de maintenant, moi je vais partir à l'école, je prendrai la première place de la classe. Et que là, tu as la maison à la maison. La première chose, c'est que je dois venir pour mes descendants. Et que vous n'ayez pas atteint la maison à la classe. Venir, et ensuite je vais manger. Là, tu vas attendre. Je vais venir. Et je vais venir le matin pour venir. Et ensuite, je vais aller pour le copier les prochains. Peut-être que la soupe, on va aller pour les autres. Mais faites-le tel que tu as commencé. Et ça, c'est le même. Mais j'espère que pour un premier temps, tu passeras les mots de l'hiver. Et bien, là, tu n'as rien de pour les sacrés. Lorsque tu prends ces paroles-là, tu vas commencer l'enseignement. Et ça lui donne pour toi, et tu vas le faire des fois, trois fois. Mais après, il y aura un moment. Et que toi, tu vas le faire, il y aura la fatigue. Ça sera le débat difficile. Il n'y a pas une idée que tu vois aujourd'hui, tu peux laisser. Il ne vous dira pas que la muscle vient en un jour. Il y a comme un autre qui me suis dit, il y a quand même un autre.
sombre. Vous verrez que tout le monde qui a réussi dans la vie, ils ont toujours vécu au bord d'une catastrophe. Et ils ont persévéré. Vous ne pouvez pas avoir les muscles de Choiseul de Guerre sans passer par l'exercice que Choiseul de Guerre a fait. Et le bon affaire qui nous sait que nous ne voulons pas payer les prix. Et parce que si c'était facile, mais les 90% de la planète ne serait pas pauvre. Et tu vas te trouver tous les bois quand tu n'as qu'à la moitié de la base à la droite de la tête. Si c'était facile. Ce n'est jamais facile. Non, ce n'est jamais facile. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, le début de cette année, est le fruit de ce que vous avez raté. Plusieurs opportunités qui vous est données chaque année. Amen. Et tu ne veux pas faire les années, moment, non, ça n'a pas. Je vais pas me passer mon ami pour nous. Mais comme tu ne connais pas le langage de silence, et tu ne peux pas le dire pour ton content dans les années 80, vous ne connaissez pas le langage du 7e son, qui se cache dans les lois, et les plus en train de tourner. Et tu es très simple. Alors que Dieu nous a envoyé un prophète, que Dieu nous a tiré du sol, Dieu ait pitié de nous. Parce que dans la vie des problèmes, par exemple, qui est le plus grand? Oh non, c'est moi qui est le plus grand. L'autre a dit, c'est moi qui est le plus grand. Mais Dieu est capable de faire une mine plus grand. Et il peut faire aussi une espèce de grand. Il y a quoi ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui sont venus en Italie, mais dans leur famille, tout le monde est grand. Mais je sais, si tu es grand, Dieu peut susciter encore d'autres grands. Si tu es petit, Dieu peut susciter encore d'autres petits. Alors, comme on cherchait à être plus grand, pourquoi à être le grand prédicateur, à la cette époque-là, le désir de l'église était de découvrir. Et que d'abord, on a passé à l'église, ce serait de pour la nation. Par la curiosité de l'église, et de la. Par exemple, votre enfant, lorsqu'il grandit, il est curieux. Et cela ne peut pas dire que vous devez lui montrer comment tu es. Vous devez lui montrer les films adultes ou quoi que ce soit. Non, ça ne peut pas se faire. Sa curiosité est de connaître qu'il y a plusieurs fleurs. Et dans les botaniques, il y a des bleus, des blancs, c'est les premiers. Donc sa curiosité va avec l'âge dans lequel il est. Et alors, le plus que l'Église voulait un génie. Et l'Église, c'est pour nous qu'elle était là, je pense, à Penta, moteur à l'écart de l'Église. Alors, à ce moment-là, nous tous, nous sommes allés lire les brochures. Et de la temps, on n'a pas ce qu'on a aucun de la brochure. Et on cherchait maintenant des concepts sur les plus importants. Et que donc, nous avons le moment, souvent, le levé maintenant, et que ça ne s'est qu'à pas. Ceux qui avaient un peu d'inspiration en percé, d'autres, comme ils n'ont pas pu. Au lieu de forcer d'apprendre, ils ont raté le cycle de la connaissance. Et ils ont raté le cycle de la connaissance. Et alors, comme ils ne pouvaient pas, ils ont haï la connaissance. Et ceux qui sont rentrés dans la connaissance, ils ont raté connaissance, ils ont manqué le discernement. Et ceux qui ont forcé un peu, ils sont passés dans le discernement. Parce que ce que je comprends là, ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est la connaissance plus discernement. Comment mire le temps autour de toi? Ça mène vers la dépouille. Jamais.
Parce qu'il a, il a, il,
il a raté l'opportunité qui est dans la saison. Et c'est comme nous aussi. Dieu nous donne une saison et notre destin s'élève. La petite voix arrive. Dans laquelle nous voyons tantôt nous avons un match comme dans la journée. Mais quand nous ne connaissons pas quand est-ce que ça va s'arrêter, nous avons tantôt l'impression que tel que c'est parti là, c'est pour toujours. Non, parce qu'il y a le jour, il va. C'est-à-dire que lorsque tu passes maintenant la nuit, c'est que le jour viendra, peu importe. Mais c'est à toi de connaître à quel moment Jésus dit, travaillez car la nuit est proche. Vous êtes avec moi? Donc ce que je vous fais, c'est de trouver un travail dans une saison. Et si on n'avait pas consacré le temps pour ces choses, on ne saurait les donner maintenant. C'est un grand effort. Et que chacun essaie de donner. C'est un sacrifice. Pour chacun qui essaie de se donner. Voyez, tout notre opportunité se trouve dans la saison. C'est pour cela que Jésus a reproché les météorologues de son retour l'époque. Il dit, vous connaissez dire que demain il pleuvra. Il va dire que ce nuage ici va se diriger vers l'ouest. Et qu'il y aura une mauvaise saison, il y aura du vent, un typhon. Mais vous ne connaissez pas ni les signes du temps. Vous connaissez la face qui est dans le ciel. Et vous ne savez pas pourquoi cette drôle de nuit est apparue. Vous ne connaissez pas pourquoi ce tourbillon est venu à Émi. Vous ne connaissez pas ni le signe des temps. Vous connaissez ni au moins le côté physique. Et si ceci arrive, vous ne connaissez pas ni. Le Seigneur. De la terre aussi va rencontrer son aïe.
Yes. L'uranium. Il va se sombrer. Mais avant qu'elle ne puisse sombrer, il nous a envoyé le vaisseau. Vous êtes perdus. Ils avaient négligé les portes de Noé. Alors que Dieu leur avait donné une saison de 120 ans. Celle-ci lâche de Noé qui est l'opportunité. Et ils étaient tous pédés. Et dans le cas de Sodome, c'est la même chose est arrivée. Il n'a pas reçu la baptisée. Et nous savons ce qui est arrivé. Tu rentreras dans la rue. Les gens n'ont pas pu comprendre cela. Ça sera si terrible pour la réussir. Ça sera une grande surprise à ceux qui ont reçu le prix de l'Église. Parce que la destruction viendra soudain comme le jour des pompiers. On est jour pour payer et être détruit par ce traitant. Et voyez-vous, parce que Pompéi vivait tellement dans le péché. Voyez-vous, ces Romains vivaient tellement dans le péché. Il les avait transformés, Pompéi, dans un livre de plaisir. Il y avait plus d'esclaves que les hommes libres. Il y avait plus de femmes que les hommes. Et la prostitution et la beauté étaient les seuls critères qui étaient là-bas. Et les gens étaient corrompus et les généraux n'y vivaient que là-bas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient négligé que la Pompéi avait ses volcans. Voyez-vous, ils n'avaient pas pris la précaution. On lui faisait sortir de l'eau tiède et chaude. Et les plages de Pompéi étaient pleines de ces choses. Et le jour, la terre vient. Et tu as détruit Pompéi. Et c'est l'image de cet âge prophète que nous vivons. C'est aussi là où il y a plus de femmes que des hommes. S'oriente toujours vers le sexe. Et te balais toujours vers le mal. Et là où tout le monde est devenu corrompu. Parce que les chefs de l'armée de l'Éternel, au lieu d'être là, ils sont dans ce temps où l'eau est tiède, les choses sont mortes. Les plages sont remplies, les églises sont remplies, des gens qui ne connaissent même pas la blessure. Mais qu'est-ce qui va arriver? Au fin de nous, il y a le magma. Il y a la bombe atomique. Et ça deviendra soudain. Et vous verrez les restes. Dans les cendres, comment ils seront calcinés comme des jours. Dieu n'amène pas quelqu'un au jugement sur la bête. Le problème que tu vis ne peut pas arriver si Dieu ne t'amène pas avec. Essaye d'examiner ta vie, ma soeur. Essaye d'examiner ta vie, mon frère. Ou mon jeune frère ou ma jeune soeur. Vous ne considérez que chaque chose, la joie que ça arrive, tu étais avec. Tu étais averti d'une manière ou d'une autre. Pour qu'il soit le juste juge. Et que le béni te donne toujours l'occasion. Mais si tu n'as pas eu l'occasion, cette prédication peut être le porte. Et si vous êtes avec moi, il est arrivé pour le mois de juin. Il t'arrive toujours d'avoir plus là. Et qu'au mois d'août, la Sangha en mois d'août, tu as toujours un projet. Dieu, c'est encore nous, on a le cas pour vous dire ça. Et qu'en octobre,
être dans cette zone. En octobre, tu as toujours perdu. Le projet a toujours un élément qui vient break le projet. Et tes amis, les camarades, pour vous, capitaine, qu'elles sont nos âmes. Amen. Et ensuite, en décembre, il y a ça la fin de l'année. Toi, tu passes toujours dans les têtes. Il y a au côté de l'année. Un des alors. L'été, la tête, attends, la passe. Et après, vous avez toujours un ange qui vient t'aider. Il y a un moyen, un moyen, ça le fait. Et après, tu ne veux pas encore quelque chose. Et tu suis sur le sol. Après, tu as dit ici, tu as toujours des alors. Et tu suis sur le sol. Tout est en sa épreuve. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si toi tu ne sais pas comment utiliser ces sa épreuve, tu es fini là. Les années vont passer. Si on a été dit là, pour vous, car vous, car on a mis plus de collègues d'ailleurs. Tu es le vivant, une vie d'appelé. Et tu es là pour plus capable, moi, c'est Edithia. Appelé. Moyen. Oui, tu seras un cadre moyen. Un chrétien dans les limites du moyen. Et pour Christ, une dame moyenne. Et moi, c'est une fille moyenne. C'est-à-dire à demi. Mais je vous apprends que Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie à demi. Il veut se manifester pleinement. Tu es mauvais. Et tu es blanc, ça, c'est
donner les bonnes choses à vos hommes. Allez ne pas le faire seul. Il a aussi prié la serpente. Et la troisième, c'est la paresse. Et quand ça tenait mon goïgoï. Parce que Dieu te bénira par le travail. Pourquoi tu dis personne ne dira mon salaire. Dieu te bénira pas par le ramassage. Et tu dis ma copain, vous l'entendez dans mon talent. Pas par l'auto. La loto. À quoi tu dis? À quoi vous l'entendez dans la loterie? Mais il te bénira par le travail. Parce que la loterie n'a pas de caractère. Il peut dire amen. Il a dit il y a deux choses primordiales. Il fait que les Indes soient de la pauvreté d'Afrique. Il lui dit un, leur mortalité. Deux, leur croyance. Amen. Voilà la chose qui vous condamne. En ce qui concerne les biens, la fortune, ça n'a rien à voir avec votre foi. Vous d'être sauvé ou être perdu. La mentalité. La mentalité. Et la croissance. La croyance. David ici a une ambition. David et il commence à réussir. Et il voit l'opposition. Il voit là toujours que c'est mystique là. Donc c'est parce que moi je suis béni. Les sorciers. Si on lui dit, on traverse cette file. Peut-être qu'on m'a déjà maudit. Je ne serai pas tombé. Je le freine. Et ça freine ses ambitions. Qui peut dire amen? Si vous êtes à l'image de vos pensées. Et lorsque vous voyez quelqu'un béni, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Hein? Parce que pour vous, la richesse ne remonte que de l'essor du diable. Et pour la réponse, vous êtes la diable. Donc Dieu est le même. Et tu donnes la cause à l'homme en même temps. Et vous tirez des de fortune. Et tu donnes la cause à l'homme. Le plus riche de la terre, Salomon, ce n'est pas le diable qui a fait le plus riche. Japon deviendra le Congo. Et voilà les Congolais japonais
de la montagne. Parce que vous allez dire que parce que tu loues une maison, tu ne peux pas mettre la peinture là où tu vis avec tes enfants. Non, mais que pas trop fait dans ta beaucoup pour que ça t'envoie à toi, tiens. Mais c'est pas qu'une ville, c'est pas le propriétaire. Mais c'est pas que ton environnement. Allez-y à la maison changer quelque chose. Si tu es toujours en colère,
Si tu veux, donne même une fleur à ton mari ou à ta femme. Fais quelque chose, même si ce n'est pas accepté, mais commence un premier pas bon. Essaie d'être dans la joie alors que tu es en train de passer des moments difficiles. Yeah.
souffle de délivrance. Et que la souffle de son bon assez. C'est ça pour qui nous a pris une version de temps pour ces années. Oui, mais l'exposition. Au nom de Jésus-Christ, cela a été puissant. Et là, ils ont toutes ces choses. Thank you.
Alléluia. Oh Seigneur. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus qui te dit ce soir, par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Alléluia. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a les derniers mots. Mon Seigneur Jésus, il a les derniers mots. C'est lui la main finale, il a les derniers mots. Sur ta vie, mon frère, Jésus, il a les derniers mots. Sur ta vie, ma sœur, Jésus, il a les derniers mots. Comme le lion dans la forêt, yeah. Il a les derniers mots. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a les derniers mots. L'alpha et l'oméga, Jésus. Il a les derniers mots. Oh, alléluia. La femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus, mon problème qui n'a que trop duré trouvera certainement une solution, trouvera certainement son épilogue. Car moi je sais, il a les derniers mots. Mon Seigneur Jésus, il a les derniers mots. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a les derniers mots. Le point de référence final. Il a les derniers mots. Même si papa parle, Jésus. Il a les derniers mots. Même si maman parle, Jésus. Il a les derniers au jour de sa chair, quand il s'est trouvé devant le centenier romain, dont le serviteur était gravement malade, juste un mot de Jésus, toute la scène avait changé. Juste un mot de mon roi, toute la scène avait changé. Tout cela pour prouver qu'il a les derniers. Mon Seigneur Jésus, il a les derniers mots. Sur ta vie, mon frère, Jésus, il a les derniers mots. Sur ta vie, ma sœur, Jésus, il a les derniers mots. C'est lui ma guérison, il a les derniers mots. C'est lui mon salut, il a les derniers mots. C'est lui ma solution, il a les derniers mots. Jésus, il a les derniers mots. Alors tous dans la barque, une tempête s'éleva. Les disciples étaient remplis de frayeur. Ils réveillèrent Jésus-Christ qui calma la tempête. Par sa parole parlée, il
calma la tempête. Tout cela pour veiller. Il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Comme les lions dans la forêt. Il a les derniers mots. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a les derniers mots. C'est lui mon absolu, oh Jésus. Il a les derniers mots. C'est lui ma solution. Il a les derniers mots. C'est lui la même finale. Il a les derniers mots. Pour l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Il a les derniers mots. Oh yeah. Pierre pêcheur expérimenté passa toute la journée sans attraper même un fétin. À l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Il prononça la parole et il eut du poisson. Il prononça la parole et le filet se remplit. Tout cela pour prouver que Jésus il a les derniers. Mon Seigneur Jésus, il a les derniers mots. Sur ta vie ce soir, Jésus, il a les derniers mots. Sur ta vie ce soir, Jésus, il a les derniers mots. C'est lui ma guérison. Il a les derniers mots. Comme le lion dans la forêt, il a les derniers mots. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers. Alors qu'il est descendu en ce temps de la fin, il accomplit la même chose. Il plaça ses paroles dans la bouche de Branham. Les agences de météo prédisaient une tempête. Branham prononça la parole, la tempête se calma. Branham prononça la parole, le petit poisson ressuscita. Branham prononça la parole et il des écureuils. Tout cela pour prouver. Il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Il est le même hier. Il a les derniers mots. Aujourd'hui et pour toujours. Il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Alléluia. Mon Jésus, il a les derniers mots. C'est lui mon absolu. Il a les derniers mots. Le point de référence est final. Il a les derniers mots. L'alpha et l'oméga, oh Jésus. Il a les derniers mots. C'est lui ma guérison. Il a les derniers mots. C'est lui ma solution. Il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots.